Bonjour à tous, c'est Robert 87000, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, épisode numéro 36, aujourd'hui, des 78+, des récompenses rivals, des packs améliorations or au dernier moment pour avoir encore du Phenom ou avoir du TOTT. On dirait un film à grand budget, je m'emballe un peu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la partager, à la liker, tout ce que vous voulez. En tout cas, merci à tous ceux qui aideront au référencement, bah ça aide énormément, donc merci à tous. J'espère que ce 36e épisode vous plaira. Pour vous remercier, il y a un concours sur Instagami, il y a même deux concours. Je vous mets les deux concours dans la description, il y en a un, c'est moi qui l'organise, l'autre c'est Instagami, je crois qu'il y a un énorme PC à gagner, etc. Voilà, vous irez voir. Je vous mets les deux liens dans la description, les deux premiers liens, ce sera les liens des concours. Pour Noël, ça peut vraiment être top. Je vous souhaite beaucoup de chance à tous, et moi, je vous dis à dans deux jours, donc lundi, pour la prochaine vidéo. C'était Robert 87000, épisode 36, c'est parti. Bah allez, on est parti, bah entre 1 et 40 les copains. Le 24, bon ça c'est pas trop dur, le 24 à calculer, hop, ça sera à la fin de la deuxième page. Allez, le premier, mais j'espère qu'on va avoir du phénom, hein. Oh oui monsieur, oui monsieur. Bon bah il suffisait de demander, hein. Bon, ça sera le seul qu'on aura, malheureusement le pire, mais on l'aura. Ah bah oui, c'est le pire, mais on l'a. Bon, un 85 quand même, gars. Merci mon Wai, merci beaucoup. Le 16, Guy, fais-moi rêver. Le 16, alors 13, 14, 15, 16. Ah bah un deuxième! Un deuxième maintenant! Non, faut pas rêver non plus. C'est quoi? C'est pas West Ham, Kerr? Oh! Le GOAT! Le GOAT! Mais si! Mais si! La deuxième fois, les gars! Dans la vidéo YouTube, t'auras Messi et tout, quoi. Oh le GOAT! On va packer Ronaldo dans le prochain, les gars. C'est quand même triste de se dire que le GOAT, avec cette carte-là, ça doit être un fodder ce moment-là, non? Ah, il y a un peu de confetti quand même, un peu de confetti. 75K, ah, c'est pas un fodder encore, c'est pas un fodder, c'est pas un fodder. Il est 25K au-dessus du fodder. C'est pas encore un fodder, les gars. J'arrive, je vois Messi direct. Oh, le petit Mendy aussi. Ah, mais voilà! Les deux fois, tu as eu 83 et 84, ça passe. Alors, 85-86, je dirais oui, Jog. 83-84, c'est pas fou. Le 22, on fait dans l'ordre décroissant, là, finalement. Oh, le petit James, les gars! Les graines d'Atacam! Alors, je fais les plus bas en notes. 85, 85. Ah bon, on a bien fait de les faire, les 80, les 78+, les gars. On a très bien fait de faire les 78+. Moi, je veux que ça. J'aurais peut-être dû sortir la vidéo aujourd'hui, finalement. Le back-to-back. Oh, bah, bon, ça va. 85, c'est pas mal. Fais-nous rêver, Guillaume. Oh, Sterling, 86. Ils veulent pas vous mettre un 88. Alors, bon, je fais ce que je peux, mon Wai. Oh, 85 encore. Ah, c'est pas mal, quand même. Hein. On est rentable pour une fois. On n'est pas toujours rentable sur ce type de pack. Alors, en tout cas, c'est beaucoup plus rapide à ouvrir qu'à préparer. Je vous promets que j'ai mis beaucoup plus de temps que ça pour les préparer. Bon, c'est pas mal. Là, je peux pas me plaindre, les gars. On a eu James. On a eu Damsgaard. On a eu Messi. C'est pas mal. Bon, est-ce que c'est pas le moment de faire Fofana? Non, mais ça, on n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas assez, les gars. Bon, ça va, c'était pas si chiant que ça à faire, Fofana. Qui a craqué pour Fofana, les gars? Il y en a d'autres dans le chat qui ont craqué. On a craqué quand même pour Enzo Fernandez. C'était un bon choix. Ça pourra toujours servir, hein, pour de la Ligue 1, les gars. Ça pourra toujours servir. Bon, allez! Ça fait une heure qu'on discute. J'en raconte des conneries. Allez, c'est parti! J'étais en train de finir de préparer des petits 78+. Voilà, n'hésitez pas à parler dans les commentaires. Ouais, l'entraîneur, j'ai juste mis pour Enzo, j'ai mis, hein. Regardez, j'ai mis pour Enzo. Après, avec Enzo, si je mets Enzo, faudrait vraiment qu'il sorte une autre carte, hein, voilà. Voilà, Vlachodimos. Si je mets un entraîneur argentin, je suis bon. Mais c'est vrai que, ouais, non, franchement, la carte, elle est incroyable. Dommage que Fofana ne soit pas pareil. Le 3 et 4, tu vois, je lui demande même pas 4 et 4. Je lui demande même pas, tu vois, je suis vraiment sympa, je lui demande même pas le 4 et 4. J'aurais juste demandé un petit 3 et 4, j'aurais bien aimé. Pareil, il y en a qui m'ont dit, Cédric, on sait très bien, t'iras chercher les 8 victoires, etc. en rivals. Oui, bien sûr. Donc on a bien que 2 packs joueurs primes et 2 packs méga en élite. On a fait 3 victoires, c'est bien déjà, 3 victoires en élite, les gars. Non, je m'y suis pris trop tard cette semaine, je m'y suis pris trop tard, trop compliqué. Non, non, plus de choses comme ça, les gars, plus de choses comme ça, trop catastrophique, c'est bon. Allez, la carte rouge, on commence par la carte rouge. Avec Otavio, comme chaque semaine. Ah, ben Rouli, ça change. Ah, ben je l'avais pas eu encore, Rouli. Ah, ben alors. Eh ben, je suis content. Un petit 84. Allez, Rouli. Ça roule. Le 3 pour Chepno et pour Freezer. Allez. Voilà. Ah, ben voilà. Là, je suis chanceux. Voilà, ben c'est bon. C'est bon.
C'est presque rentabilisé. Il faudrait quelques fodders de plus et ce serait pas mal. Allez! Sur le dernier. Et Horta, je peux plus te blairer. Hein. T'es tombé trois fois Horta. Alors, je t'ai jamais pris. Bon, mais là, je suis obligé de te prendre. C'est pas fou. Hein. Y a quoi comme SBC qui est sorti hier? On a même pas parlé. Oh, il y a Vlahovic. Alors, j'adore ce joueur. Vraiment, je vous le dis. J'ai un petit amour pour Vlahovic. Allez, oh, ça part à gauche. Allez, hein, fais-nous rêver. MDC. Oh, là, c'est Kimmich. Oh, j'ai le choix. Eh, vous rendez compte que les gars, j'ai fait que 3 victoires. C'est mes meilleures récompenses. Elite, Rivals, depuis qu'on est en élite. Ça fait quoi? Ça fait 5 semaines qu'on est en élite? Ben voilà, notre meilleur joueur. Il aura fallu faire que 3 victoires pour avoir notre meilleur joueur. Musique de la joie, les gars. Merci, Popette. Merci beaucoup. Et boum! Les 32 mois. Tu voulais un 86, t'as un 89. Mais le monde devient fou, Pedro. 3 victoires en élite. C'est déjà bien, on a eu Kimmich, les gars. On a eu un joueur qui coûte... ça coûte combien, les 89? 30K, 40K? C'est bien, déjà. Des 83, là? Oui, easy. Ah, ça y est, ça descend. Ok, parfait. Eh ben, on est bon. Bon, ben, bienvenue au club, Vlahovic. Eh, tu m'as coûté un Kimmich et un Cancelo. Si t'es nous, ça va chier, quoi. Je pense que, malgré tous mes efforts pour ne pas dire que je suis un putain de crack à FIFA... Je pense qu'il va falloir se rendre à l'évidence. Je pense que si je continue comme ça, faut que je m'arrête parce qu'on va se qualifier au FGS 2 sans faire exprès. C'est emmerdant, tu vois, on est à 625 de notes techniques. Voilà, j'ai pas envie que par erreur, je me retrouve avec les pros avec 900 points de notes techniques, etc. Voilà, là je sens que je suis déjà un peu trop fort. Donc je pense qu'il va falloir que je m'arrête là parce que là, sinon... Où va-t-il s'arrêter? On est déjà dans le 6% des joueurs les plus hauts en notes techniques dans Elite. Bon, voilà, j'ai pas envie non plus d'aller humilier les pros, quoi. Il me manque plus qu'une win, les gars. Non, mais j'ai charbonné hein, ce matin. J'ai fait je sais pas combien parce que je voulais pas m'y prendre au dernier moment pour faire Rivals contrairement aux semaines précédentes. Donc ce matin, je me suis fixé de faire au moins 5-6 matchs. Et finalement, j'en ai fait une dizaine. Donc finalement, il nous reste plus que 6 matchs à faire pour le palier des 90 pour jeudi. C'est pour ça, ceux qui me disent, Cédric, pourquoi tu ouvres les packs maintenant? Je m'en fous, regardez, jeudi, les gars, on aura tous les joueurs qui seront disponibles dans les packs, les nouvelles cartes qui sortent là. On aura 2 packs à 100 000, 2 packs à 100 000, 2 packs à 50 000. Voilà. Il m'a fallu quand même, pour monter que 125 points, je pense qu'il m'a fallu une quarantaine de matchs. Donc, comment te dire que... Si je voulais arriver à ce rythme-là, aux 900, je sais pas combien de points qu'il faut, donc il me manque à peu près, on va dire, 275 points pour arriver aux 900, il va me falloir une centaine de matchs d'ici jeudi. C'est pas gagné-gagné quand même, hein. Je vais pas te mentir, c'est pas gagné-gagné. Non, là je suis dans le top 6% des joueurs élites. Marqué dans 200 matchs. Pack ultime, les gars, pack ultime. Bah oui, le pack ultime. On n'y avait pas pensé, mais c'est vrai que bah, finalement, bah, un petit pack ultime gratos, c'est bien. Bon, on est un petit peu plus loin. Parce que je me suis dit, bah attends, mes premiers détenteurs, on doit être bon aussi. Et non. Premier détenteur, il faut gagner les matchs. Et là, c'est différent. C'est-à-dire que l'autre, il suffisait de disputer les matchs et de marquer un but, je crois. Là, il faut gagner les matchs. Donc ça va quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vite. Et en plus, il faut 7 joueurs premier détenteur. Oh, merci mon petit Azarok. Partenaire, parce que là, la partenaire, les gars. C'est bizarre, j'ai vu les marres tout à l'heure. Pourquoi j'ai vu les marres? Les mains, on l'a pas en doublant pourtant. C'est un très beau pack. Hein. Non, mais vraiment, c'est un très beau pack. C'est un très beau pack. Oh, 19h! Oh, 19h! Allons voir les cartes. Qu'avons-nous? Est-ce qu'on peut les trouver, les cartes, direct? Est-ce qu'eSport a été fouillé? C'est où les OTT? C'est ça, là? Oh là là! C'est bon. Alors, on a Mbappé. 5 et 4. Une carte de fou. 94. Et Messi que 94, tu vois. Bon, belle carte, quand même. Vraiment belle carte. Il n'y a rien à dire. 4 et 4 aussi. Harry Kane, 3 et 5. Oui, belle carte. Foden, 4 et 4. OK, belle carte. Hernandez est toujours 3 et 3. Merci, mon Tito. OK. Dumfries. Ah, il manque un peu de vitesse, Dumfries. Dommage. Perisic,
Ouais, 3, 4 et 5, Perisic, c'est vrai que c'est un monstre. Hein. Ah, il peut jouer que sur les côtés. Ah, DLG. Aïe, 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 aïe. Dommage, 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 dommage. Dommage qu'il n'y ait pas d'autres postes. Ils ont... Oh, oh. Dalot, pas mal. Dalot, pas mal. 500k pour CR7, c'est trop cher. Ah, ils abusent. Oh, oh. Allez, Espagne, Gavi. Oui, Gavi, les gars. Oui. Alors, oui, Cédric. T'en auras pas. C'est pour ça qu'on prépare autant de packs. Le petit Gavi, monsieur. Ça tombe comme des petits pains. J'aime bien les milieux quand même. Ils veulent pas me donner le grand attaquant. Ils aiment bien me donner des milieux. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a le double carte bleue. Et ça, vous ne le savez pas encore. Ah, dommage, dommage, dommage. Alors, Gavi, à 3 et 3. Ah. Bon, ça fait plaisir. Est-ce que c'est très jouable? Je suis pas sûr. Hein, je vais pas vous mentir, je suis pas sûr. Dommage qu'il n'ait pas un poil plus de vitesse, tu pourrais presque le jouer AG, comme il est là, AG ou AD. Injouable. C'est vrai que c'est peut-être pas le plus jouable. Mais bon, on en a un, les gars. Bon, ben entre 1 et 16, les gars. Oh, ça se lève, le dernier. Ça se lève. Oh, ça va être Ziyech, le GOAT. Ziyech, le GOAT. Derrière, ça cache quoi? Un autre 83. Allez, un autre 83, ça pourra toujours servir pour faire rouper un mécano et tout. Aïe, 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 aïe. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le gros like, à vous abonner. Moi, je vous fais des bisous à tous. Je vous dis à dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Ciao, les gars.